Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, pour le nouveau Call of Duty World War 2. Donc je vais me mettre assez proche du micro, attendez. Et je vais parler tout doucement, parce que comme vous allez l'entendre certainement, j'ai la gorge défoncée, j'ai les cordes vocales défoncées. Je viens de faire un mélange entre technique de grand-mère et médicaments juste avant de lancer la capture pour essayer d'avoir une voix à peu près correcte. C'est pour ça que je suis en retard d'ailleurs. Sur la vidéo aussi, c'est déjà parce que j'ai eu un petit problème avec la poste et aussi parce que j'ai pas de voix tout simplement. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Allez hop, on va se faire ça vite. Et aujourd'hui, on va se faire la campagne et on fera une vidéo du multi aussi. Et peut-être des zombies, je ne sais pas, mais en tout cas. Ok. On va laisser en deuxième classe pour les biens de la vidéo. Je mettrai peut-être en commando de mon côté. Je suis quasiment sûr que ça va gratter à la fenêtre dans 5 minutes dès que j'ai un chat qui va vouloir rentrer, mais bon. Donc, nouveau Call of Duty. Et comme vous le voyez, sur la Seconde Guerre mondiale. On en parlera après. Bon, donc comme je le disais, nouvel épisode de Call of Duty, donc c'est la première fois. Bon, en fait, on va s'arrêter encore. Si tu voyais ce que je vois, frérot, on va envahir une plage française dont on ne connaît même pas le nom. On fait ça pour reprendre la France aux nazis. La tente occupe la moitié de la bataille. Donc le débarquement. Donc Michel, le saint patron des soldats. Il couvre mes arrières depuis Catherine. Zussmann, trois fois en 10 secondes, et il est tout détruit. Je sais pas. Ah, tu peux aussi te dégonfler. Je parie sur Zussmann. D'accord. Ça marche. Ah, je peux pas regarder ça. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de poker organisée par l'équipe de foot. J'avais mis au point un système où ils pouvaient me décrire leur donne. La tête du coup.
quarterback quand j'ai raflé tout le pot. T'es prêt? Voilà pourquoi on n'arnaque pas un arnaqueur. Maintenant. Yellow a de la férocité à revoir. Je m'en disais que j'avais serré la main, je me fais. Il disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif? Toi, apparemment. Hein. On trouve un truc mieux. Un vrai trophée, je veux dire. Bon courage. Oh. J'ai fini à 18h, on est en retard. On va se faire engueuler. Je couvre nos arrières, Daniel. T'en fais pas pour ça. Le briefing va commencer. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ensuite, il y a le sergent Pearson. Très sympathique. C'est moins spécial, hein? Bah, je vais vous bouffer tout cru. Pas de danger, ça. On est de vrais cas. Ferme-la, Fisman. En marche. Vu que la chance est clairement avec moi, quoi qu'il arrive, suis-moi. La Normandie, puis le Rhin. Allez. C'est tout bon, Daniel. Bon, pour l'instant, je peux pas trop parler, donc c'est pas plus mal, vu comment j'ai la gorge défoncée. Aujourd'hui, avec nos alliés, nous avons lancé une opération d'importance capitale. Établir une tête de pont en Normandie afin de parvenir à repousser l'invasion allemande qui terrorise l'Europe depuis désormais 4 ans. Nous allons empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement l'unique occasion de devenir des héros qui nous est offerte. Si nous vaincons, notre triomphe restera gravé dans tous les cœurs et dans tous les esprits de toutes les générations qui nous succéderont. Je vous parle de gloire, messieurs. De la véritable gloire. Le colonel Davis a fait un super discours. Ses paroles m'ont rappelé celles de mon coach Johnson avant notre match de Thanksgiving contre Steam. Tu te souviens peut-être qu'il nous avait battus de 42 points. Heureusement, le lieutenant Turner surveille Pearson. Il le tient bien en laisse. Si Pearson est lâché, on se fera tous mordre. Depuis que je peux tenir un fusil, j'ai voulu être comme toi, Paul. Tu n'es pas un modèle facile à suivre. Mais je ferai tout mon possible. C'est maintenant ou jamais. Hé hey, je rêverais d'avoir la même qui m'attend. Va falloir que t'attendes qu'on arrive à Paris. Ça fait un sacré bout. Souvenez-vous, vous n'enterrez pas sur la plage, vous devez avancer. Restez baissés et dispersez-vous. Rappelez-vous l'entraînement et tout ira bien. Je suis fier d'aller au combat avec vous, en toutes circonstances et partout. Allez, débarquement. Bon, alors comme je disais, c'est la première fois sur ma chaîne qu'on va avoir du Call of, tout simplement. Parce que c'est la première fois depuis très longtemps que j'en achète. Enfin, j'ai joué au Black Ops 3, mais disons que vraiment que j'achète et que je fais tout, c'est le premier depuis le 2 ou le 3 sur PC à l'époque. Attends, dans le casque, le son, là, ça envoie. Hein. Donc on est sur PS4 Pro. Je l'ai pas précisé encore. Ah, parce qu'il y a... Le problème avec Call of, c'est que vous avez les pro Call of qui vont vous dire que c'est parfait et que les autres sont nuls. Et vous avez tous les anti Call of qui ont jamais joué, mais parce que c'est bien de dire que c'est nul, qui vont vous dire que c'est de la merde, que c'est moche, que... Voilà. J'ai lu la dernière fois, un mec disait, ouais, de toute façon, ça fait 10 ans ou 15 ans que c'est le même moteur graphique, qui se fout de nous. Enfin, non, le moteur graphique, il a changé depuis... C'est quoi, Advanced Warfare, de quoi? Depuis celui-là, il a changé, déjà, donc... Il l'avait encore un peu amélioré sur le suivant. Donc, c'est pas le plus beau jeu du monde, c'est sûr. Mais c'est pas moche non plus, faut pas déconner. Allez, débarquement.
qu'évidemment, c'est encore une vidéo. Je vais recevoir un truc de YouTube qui va me dire qu'il y a des annonceurs qui veulent pas se mettre dessus parce qu'elle est violente ou je ne sais quoi. Et j'ai eu ça pour Assassin's Creed, hein, pour vous dire. Donc pour les gens qui vivent de YouTube, je comprends que ce soit compliqué. Hein. Parce que clairement, sur une vidéo comme Assassin's Creed, j'ai des annonceurs qui voulaient pas se mettre dessus parce que... apparemment, c'est pas tout public. Vous avez vu une des nouveautés déjà à l'écran. On a une barre de vie. Ils ont remis un truc voilà, qu'on avait dans les anciens et qu'on a plus du tout dans le jeune maintenant, c'est qu'on a une barre de vie et des kits de soins pour se soigner. Donc moi je trouve ça plutôt cool. Maintenant, on va voir comment c'est foutu. Bon, on va rester comme ça. On va peut-être courir un peu, on va se dépêcher. Oh putain. Ok. Excusez-moi. Mais j'étais allongé, mais en fait je sais pas trop où est-ce qu'il faut s'allonger. Putain, j'avais dit qu'il y aurait un chat qui allait gratter. Et bah c'est le moment. Ah, il faut que je me mette là peut-être. Oh non, 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 mais non, je me suis coincé dans le décor. Oh le con. Bon, on va y arriver. Dès que ça pète, on fonce vers les bunkers. On y est presque. Je suis pas très en forme, hein, excusez-moi, mais... Ça va exploser. Et voilà. Voilà, c'est pareil, ça tire dans tous les sens. Alors, on va crever surtout. Bon là, l'avantage c'est que c'est super fluide. Ça c'est vraiment... Peut-être falloir que je touche à la sensibilité par contre. Il est pas mort ce con d'allemand là. Vous voyez, par exemple, là, j'ai plus de vie déjà, en vrai. J'ai pas de trousse de secours non plus. Bon. Sale blessure. Tiens, utilise ça. Merci, l'ami. Ouais, merci, ouais. Comme tu dis. Bon. Vous voyez aussi, je suis pas joueur de la série, donc... Ok, c'est parti. C'est pour ça aussi que j'ai pas mis une difficulté de ouf pour la vidéo. Il y en a un autre là. Boum, le casque a volé.
Pourquoi il avance pas mon collègue là? Bon, j'ai ramassé pas mal de... Attention là. Oh putain, qui c'est qui me tire dessus là? Je sais. Oh mais non, putain, il va me faire recommencer pour ça. Allez, on y va. Putain, moi j'imagine ces choses-là en vrai, ce qu'ont dû ressentir les mecs qui ont fait ça en vrai, quoi. À ce moment-là, je pense que t'as plus que de la peur. Je sais pas ce que tu dois ressentir comme sentiment, mais... Surtout le sentiment quand tu as réussi à la fin. Ça doit quand même être un sacré sentiment quand à la fin t'as réussi à... Que je fais à ton avis. Ça a été mon premier réflexe de jeter des grenades. Je crois que je vais plus avoir de munitions là. Après, malheureusement, ce qui manque toujours à Call of, c'est des décors destructibles un petit peu quand même. Parce que... Moi, je suis désolé, mais... On peut pas dire que c'est moche, là, parce que c'est pas moche. Mais malheureusement... Ouh là là. Faut que je fasse attention hein, maintenant parce qu'il y a la barre de vie quand même. Parce qu'on a trop tendance à plus faire attention maintenant. À plus faire attention et... Et à jouer un peu comme un con. Voilà, parce que on sait qu'on se cache derrière un mur, on reprend de la vie et tout. Mais là, c'est plus le cas. Pour gagner des capacités des squads. Ok. Bon. J'essaye de m'économiser un petit peu pour pouvoir parler parce que. J'ai plus de balles. Oh sa mère, une grenade. Bon là j'en ai marre. Excusez-moi. Voilà.
Qu'est-ce que je suis mauvais? Faudra que je touche à la sensibilité, c'est pour ça aussi. Tu l'as pris en pleine gueule, mon pote. J'ai plus de munitions. Oh merde. Oh le con. Les gars aussi, il faudrait peut-être que mes alliés fassent quelque chose là, voilà, parce que... Parce que là, c'est un peu la merde. Il y en a encore une qui gratte à la fenêtre derrière, et bah tant pis pour elle, elle va se démerder, parce que là, ça fait 3 fois qu'elle me fait le coup. Oh merde. Qu'est-ce que c'est que cette arme là? Putain. T'as assez piqué celle-là, non? Putain, mais qu'est-ce qu'il fout mon allié là-bas? Il tire sur personne ou quoi? Bon, je suis désolé, je suis encore obligé de faire une coupure pour l'autre qui veut encore sortir. Alors, on se reprend, c'est vraiment la vidéo du chaos. Putain, c'est... Elle veut rentrer, elle veut sortir, elle veut re-rentrer, ressortir, elle n'arrête pas. Ah, on peut faire ça, d'accord. Ah, moi, je regarde s'il n'y a pas une autre arme qui traîne. Bon, ça va piquer, mais le problème, c'est que ça... Ouais, je sais pas. On va voir. On va s'accroupir, hein. On va arrêter d'y aller. Trop comme un bourrin. Bah lui il a pris un petit coup de pompe là, ça l'a calmé net. Bon. C'est quand même pas génial comme... comme arme, je préférerais... petite mitraillette, là, un petit truc un peu plus... On va se dépêcher. Par contre, ce que j'aime de Call of, c'est que le gameplay est assez vif et surtout très fluide. J'y vais. Ouais, c'est dommage, il n'y a pas de mur qui pète, il n'y a pas de... Je trouve ça dommage quand même. Avec les consoles qu'on a là. Et les PC. C'est quand même dommage qu'on ait pas de... C'est quand même dommage qu'on ait pas de décor destructible quand même. Je trouve. Après c'est mon point de vue, hein. Pas obligé d'être d'accord évidemment. Mais je trouve que ça amène quand même quelque chose. Un impact, surtout quand on jette une grenade, quoi. Oh merde. Attention.
Bon, le con, je me suis bloqué dans le décor tout seul. J'ai vu un casque voler là. Voilà, il y a un casque là-bas. Bon, puis vous voyez, la barre de vie, elle descend quand même relativement vite, hein, mine de rien. Ça, c'est un truc que j'ai déjà vu la dernière fois. Hein. Kikou, on va le dire comme ça, hein, commencer à dire que c'était nul d'avoir une barre de vie, que c'était dans les vieux jeux, que c'était comme ça. Ah, c'est pas par là qu'il fallait que j'aille. Enfin, ça me fait rire, quoi, parce que les mecs, ils se la jouent et tout, mais tu leur remets un bon truc à l'ancienne. Ils aiment pas trop parce que c'est trop compliqué, ils sont pas capables de gérer. Mais nous, quand on jouait au... Quand on jouait au vrai Call of à l'époque, c'était comme ça, hein, les Medal of Honor et tout. Ouais, on avait, excusez-moi, une vraie barre de vie et tout. On ne faisait pas de cadeaux comme maintenant. Genre, tu vas respirer le bon air à côté derrière le mur et puis tout va mieux. Hein. L'autre là-bas, il m'a pas raté par contre. Il y en avait un autre là-bas, non? Ah non. Merde. Merde, c'était mon collègue. Je suis Michel envoyé. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je trouve ça plutôt sympa. Et voilà. On y va les gars. Après c'est comme d'hab, hein. C'est scripté, voilà. On suit un chemin, voilà, c'est assez. Mais ça, c'est pas que Call of, hein. J'ai envie de vous dire. Battlefield 1, c'est bien pareil. Hein. La campagne, vous suivez un peu un chemin et voilà. C'est scripté aussi, c'est voilà, mais c'est ce qu'il faut pour avoir du spectacle aussi. Vous voulez un jeu spectaculaire, vous voulez voilà, et en même temps, vous voulez pas de script. C'est pas possible. On va où là? On va. Et c'est parti. Dans le bunker. Ah merde! Je sais pas s'il faut mitrailler le bouton ou rester appuyé dessus. Je pense qu'il faut le mitrailler. Ouais, c'était ça. Oh l'enculé!
Comment on fait? Oh putain. Ah ouais, c'est... Ouais. Quand on sait pas trop au départ, c'est un peu chaud. Faut comprendre vite. Allez, tu vas crever peut-être enculé là. Merde, je l'ai raté, putain. Ah, le con. J'ai été trop lentement pour le... Pour le QTE. Bon, vous voyez, ils sont sympas parce qu'on reprend là. Et puis même, on reprend carrément à cette phase-là. Je vais t'éclater la gueule, mon gars. Ah ouais, voilà, pas de pitié. Mes jambes! Oh merde! Sors-moi d'ici, putain! On va te sortir de là, reste avec moi! Allez! On doit rejoindre ce pays! Oh putain! Bah ouais, mais là... Merde ! J'ai plus de trousse de secours, ça va être chaud, hein. On doit se mettre à couvert ! Merde ! Oh putain, j'ai plus de trousse de secours en plus, merde ! Je sens que ça va être compliqué. Ah, j'en ai une. Putain, je peux pas m'accroupir plus que ça. On est tiré d'affaire. Bien, c'est ça que t'appelles être tiré d'affaire. Ouais, j'aurais pas dit ça moi, mais bon. Ça me paraît compliqué quand même. Pour lui là. Ah putain. Oh putain. J'ai plus de vie encore. Je vais crever vite fait, je crois. Bon, point de contrôle, c'est déjà ça. Si je meurs, on reprendra ici. Putain. Et là, j'ai vraiment plus de vie, là. Ah non, mais là, j'avais plus de vie. Là, c'était compliqué. Un petit peu. Ah putain, il est obligé de recharger comme ça. Ça, c'est parce que je mets trop de balles à côté, ça. Ah, merci. Bon, on est arrivé au point. Ouf. Tu dois t'accrocher. Il y a toutes ces parisiennes qui attendent que toi. C'est vrai? Mais bien sûr. Je peux leur jeter un œil à ta chérie. Tu te fous de moi? Non, c'est pas grave. Je vois que dalle. Je vais me reposer un peu. Ouais, je pense que malheureusement... Tu vas mourir. Daniel, je suis là. Aide-moi. Bordel, pourquoi je venir à l'infirmier?
m'occupe de lui. Vas-y. Il le soignera. J'ai besoin de toi, Daniel. Écoutez, il y a un canon GPF dans une ferme près de la route. Il bombarde la plage. En route. On viendra te chercher. Écoutez, j'ai bien envie de m'arrêter là pour pas vous en montrer plus. Excusez-moi. Ouais, bah donnez-moi. Je suis à sec, chef. Et voilà, soldat. On va aller au prochain point et on s'arrêtera là, je pense. J'ai pas envie de trop vous en montrer non plus parce que la campagne sera sûrement pas très longue et puis ma gorge est pas en état et je vous ferai une vidéo pour le multi demain, je pense que sur le multi et peut-être le mode zombie, je sais pas. On a là-bas là. J'arrive pas à l'avoir. Contre eux, ils arrivent bien à m'avoir. Ah, j'essaie d'avoir le connard là-bas, moi, déjà. Oh, putain. Mais en fait, là, ça arrive à me tirer dans tous les sens, mais je vois pas tellement où. Ça, c'est l'autre enfoiré là-bas, là. J'arrive pas à l'avoir. Bon. J'essaie de me rapprocher. Bon, voilà, c'était sûr que j'allais crever en même temps, vu le nombre qu'ils étaient. Bon, on fait une tentative et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Hein. Oh, sa mère. Qu'est-ce que c'est qui m'a explosé? Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que je vous en ai montré suffisamment comme ça. Donc, on se retrouvera pour une vidéo sur le multi que je vais certainement tourner demain. Ça ira peut-être un peu mieux au niveau de la voix. En tout cas, après, on se retrouvera, je pense, lundi ou mardi pour une nouvelle vidéo encore. J'espère là encore que ça ira mieux pour la voix. Et après, je pense qu'il y aura une petite semaine de repos. Où il n'y aura rien et ça reprendra je pense qu'il y aura une semaine à peu près et ça reprendra et après petit à petit je suis en train de faire mon programme. Voilà, donc je vous remercie, on se retrouve demain pour le multi. Salut à toutes et à tous.